La F1, enfin la FIA, somme Bakou de changer son entrée des stands effrayante. Ouais, bah alors, oui, du coup, c'est vrai que cette entrée des stands est assez dangereuse quand même. Rosberg l'avait décrite cette zone comme l'une des plus dangereuses et effrayantes que j'ai pu conduire en Formule 1. Si quelque chose casse et que vous finissez dans le mur dans la pit lane, c'est la fin. Vous n'êtes plus. Lancé même l'ancien pilote Mercedes. D'autres pilotes comme Vettel avaient également critiqué sa dangerosité. Pourtant, à l'époque, Michael Masi, directeur de course de la FIA, avait jugé que la situation était sous contrôle et qu'aucun changement n'était nécessaire. Visiblement, Wittich et Freitas, les successeurs de l'Australien, ne sont pas du même avis. Ils ont expressément demandé au circuit de revoir sa copie en renforçant la sécurité. On va changer légèrement l'entrée de la pit lane, a déclaré Arif Rahimov, promoteur du circuit. Il n'y a pas de changement sur le circuit lui-même. Mais la FIA nous a demandé de modifier légèrement l'entrée dans la ligne des stands, afin qu'elle soit un peu plus sûre. Comment ils vont faire pour modifier alors? Nous verrons comment ça se passe. Je pense que les pilotes ne font généralement pas beaucoup d'erreurs à l'entrée des stands. C'est la partie qui sort un peu de la pit lane, aussi la petite portion avant, donc la forme de tout ça sera légèrement ajustée. Oui, à mon avis, ça va pas changer de beaucoup finalement. Ça sera le seul changement notable sur le circuit de Bakou. Raimov trouve ainsi que la piste convient bien aux attentes, pardon. Même s'il reste ouvert à quelques ajustements périphériques, selon les retours des pilotes, notamment avec les voitures de ce nouveau règlement aéro. Le reste, on verra quand les voitures rouleront sur la piste. Nous ne changerons aucun virage en tant que tel, mais parfois les pilotes viennent et font leur session d'essai et ils disent à cet endroit le vibreur doit disparaître. Comme le virage à côté de la vieille ville, la section la plus étroite. Nous avons joué avec cette bordure depuis le premier jour. Nous l'avons ajoutée, retirée et rajoutée. On ne peut pas vraiment savoir avant que les voitures ne liment le bitume. Pas faux. Ouais, bah, coup, j'attends avec impatience hein, cette course. C'est une course qui aura lieu après Monaco, donc en juin. Donc voilà, quelques petites infos concernant Bakou. Je vous laisse réagir à voir ce qu'ils vont modifier du coup exactement. Ciao ciao!